très fort, mon cœur. Faites très attention sur cet engin, docteur. Tout le monde dort, ne t'inquiète pas. Tout le monde? C'est trop chou. C'est votre fille? Tout à fait. Pardon, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Angela. Ça y est. Alors, je te l'avais pas dit que vous étiez toutes les deux destinées à être les meilleures amies du monde. Ah, c'est cette Cathy. C'est qui, ça? Ma nouvelle copine de récré. Ravie de vous rencontrer, Dr. Morgan. Brian. Et tu dois être Maddie. Enchantée de vous rencontrer. Moi aussi, Maddie. Alors, Cathy, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Maman, arrête. Angela et Brian vont essayer d'avoir un autre enfant. Mais cette fois, elle va pas prendre le risque de le porter. Ils vont utiliser une mère porteuse. Quoi, ils vont me demander. D'accord. Vous passez toute une année à chercher la donneuse parfaite, mais quand vous vous lancez dans la recherche d'une mère porteuse, vous n'hésitez pas à demander à la fugitive qui loge chez vous. On ne sait absolument rien de cette fille. Quel âge ont vos filles? Bientôt 4 ans. Félicitations, elles vous ressemblent. Oui, on me le dit souvent. Maman! Coucou, mon amour. On ne sait rien au sujet de cette femme. On ne sait pas de quoi elle est capable. Je suis désolée, on n'en sait pas assez sur son passé. Cora? Oh, puis-je viens me voir? Maman est là. Ça va aller, mon cœur, maman est là? Ce n'est pas ta fille, c'est ton boulot. Oui, d'élever un de tes enfants et de porter le second. Angela est au courant pour nous deux, c'est ça? La dernière chose que je souhaite, c'est qu'elle n'ait plus confiance en moi. Je suis désolée, Linda. Tu crois qu'elle nous aime? Vous le saviez, vous l'avez dit dès le premier jour. Elle recommence à se droguer. Oh. Essayez de me tuer! C'est une mort! Puisque la mort de Linda était un accident. Tu as mis la vie de notre bébé en danger. Je ne veux pas perdre mon fils. Et s'il était en danger maintenant? Tu as vraiment besoin d'aide. Tu caches quelque chose. Et je vais trouver ce que c'est.